Timothée, et nous pourrons parler de questions et blanchiment ou de financement d'origine, l'argent qui a financé la question de Grand-Paris. Des dépenses qui a fait dans Grand-Paris. Bon, tout d'abord, qui t'aime pour ton petit précision concernant l'émission hier là. Et moi, encourager le monde qui a tant d'émissions, hein, qui souvent a rapporté le monde, qui probablement éventuellement n'a pas cité dans l'émission, hein, pour y'a prendre le soin de rapporter fidèlement ça qui était dit. Yo. Pour y'a prendre le soin, bien entendu, et puis pour y'a faire un rapport fidèle de ça qui était dit dans l'émission. Hein. Pas pour chercher bonne grâce pour nous, ou bien privilège que mon nanka au fou, ou à déformer, mettre sel, mettre piment, dans ça qui te dit. Et va pour ton précision, à, pour équipe la paix, et pour monde qui est proche candidat Jude Célestin, à aucun moment, hier, nous pas moi-même en particulier, toute équipe là, nous pas dit, que Jude gagne rapport avec question blanchiment ou l'argent. Nous pas parler pour nous dire que rapport Ukraine concerne Jude. OK? Nous pas jamais dit ça. Cependant, dans l'émission, ça que nous avons fait hier, là, côté de gagner économiste Eddie Laboussière, qui t'a parlé avec nous sur question de risking, nous à garder qui wall et qui responsabilité chaque entité en dans société a doit jouer ou qui responsabilité qui ont gagné dans cadre bataille contre blanchiment d'argent et financement de terrorisme et dans échange dans réflexion yo noter surtout mettez accent sur question élection. Et nous disons que c'est une côté. En pile moun blanchit l'argent. C'est une côté moun qui a fonctionné avec l'argent salio, yo fait ça n'dakarele une sorte d'investissement. Ça n'est l'investissement avec l'agent sale là, dans la question élection, hein? Par exemple, les gars dans la drogue, ils ont tout bagaille sale, ils ont des millions. Mais pour le pencher, passer l'agent ça, plus facilement, ça le fait, ils investissent dans le campagne un candidat, ils font, ils ont un candidat en pile visibilité, et puis, en retour, candidat après le bal des avantages, avec l'État, comme entrepreneur. Par exemple, si n'est gagné en construction, par exemple, il a fait 40 à 50% d'un contrat à bien pour bailler, c'est lui qui joue, yo. Je même si vous faites un appel d'offre et la trier, mais, n'a pouvoir pas ça, mais vous osez faire au gré à gré, même. Et pour un gars, il a fait tout contrat, et puis, il dit, ah, ça coûte 60-50 millions de dollars, ou 20-80 millions de dollars, 300 millions que contrat a fait. Ou là, donc, le ça, c'est comme si t'as dû son investissement négatif fait de 2 à 3 à 4 millions de dollars, et sale que t'as investi dans le capa en aigle, et puis, il y a un président, et puis, il y a retourné le Bali en 40, 50, 60 millions. J'en mettais dans les bras la veille, vous avez tout à avec ça. Vous comprenez? Et c'est comme d'adou, les gars fait un investissement de 2 à 3, 4 millions l'argent sale, dans le cas où on est, et quitter le show. Et puis, les lapotounes, l'argent Bali, ils ont fait des gros contrats avec l'État de 3, 4, 5 kilomètres de route, ou on prend pour 5 millions, on parquette l'argent. Et puis, l'argent, ça se connaît. C'est contrat qui fait, c'est l'argent qui entre, ça, l'argent vient propre, ou bien, il lave. Il dit seulement lave, et puis il fait bénéfice. Donc, c'est sur ça qu'on a mis accent, et puis on a dit, bon, série de candidats, nous,
dit que yo fait de grands déploiements. Mais là nous fait référence à article 132 pour arriver à 134 dans décret électoral là, nous t'ai posé question ou bien t'ai questionné est-ce que article ça yo li respecté en dedans campagne électorale ça qui là. Et nous t'ai fait référence à des candidats qui a déployé de grands moyens. Nous pas dit que un candidat X ou un candidat Y gagne l'argent sale là même, c'est pas ça nous dit. Nous t'ai dit que pendant que des candidats qui a fait de gros déploiements, n'a parlé de Jovenel Moïse qui fait plus de 2 ans fait campagne à la garde des gouvernements, ça a des coupes déplacées, il y a des bibots doivent changer de temps en temps. Et puis nous t'ai parlé de Jude Célestin qui lui-même tout pas gagne monde n'a pas venir dire que Jude c'est pas un candidat qui montre qui gagne des gros moyens pendant période de campagne là qui t'ai fait dans l'élection 2015 ans et même jodi a. Bon, dans dernière semaine ça nous tout font camper. Bon, bah, on sait faute de moyens ou bien par contre une stratégie. Mais nous t'ai parlé de Jude Célestin et Jovenel et qui montre que la c'est des candidats qui gagne moyens et nous t'ai dit tout. Pendant la période d'élection 2015 ans, par exemple, Moïse Onchal, qui t'a plein pour dire que le pagne l'argent, mais fois ça, m'dit, nous t'en de sa censeur, yon, moun qui n'a bord li, on parlait de Mathias Pierre, qui parlait de campagne à foutre 5 millions, et y'a pas un problème sous question ça. Nous t'ai dit tout, mais ouais, dernier jour ça, on m'a gagné de nouvelles photos, m'quoi que Moïse m'a posté bien belle, m'dit, faut le t'a dit, est-ce que le commence à gagner des moyens, qui est-ce qui baille li? L'un des parlé de candidats qui a déployé grand moyen, nous t'ai dit que, candidat, eux, mais t'as fait 10 ans pour faire campagne, c'est pas ça qui était ici, non? Mais, décret électoral, là, m'te fait faire ça avec lui, m'te dit, si n'a pas goûté contre blanchiment des avoirs, or, gon pression que Gafia met sous nous et pression metteya c'est surtout parce que ne pas j'aime pas résultat dans bataille ça. Comme résultat, c'est pas seulement gien loi qui voté. C'est pas seulement gien institution qui là qui a goûté contre question. Mais institution ça qui là qui résultat au bail. Par exemple, nous te prend par UCREF, ULCC combien fois yo voyé un monde devant tribunal suite à un rapport d'enquête que élaboré sous mon nez, et puis ouvrir devant tribunal, et puis la justice, fait suivi. Mon al devant tribunal, il juge correctement. Combien de monde qui a blanchi l'argent pendant 2-3 dernières années, ça a eu que qui condamné? Combien? Pas gagné. Et nous t'ai dit, pour venir, on l'état, on pouvoir, qu'à goûter contre blanchiment des avoirs, faudrait-il que lui-même tout c'est pas blanchiment qui a engendré le comme président, comme pouvoir. Ça veut dire si on nègre l'argent qui t'est financé campagne, c'est des monde qui t'a blanchi l'argent qui finance elle. Donc moi moi très mal comment on prend le goût mais contre blanchiment d'argent face à propre monde ça qui t'est bord de gros moyens. Bon tu comprends ça me dit non? Qui t'a investi l'argent, et ouais, ou même pendant période de campagne, pour te faire venir président, pour te faire venir sénateur, pour te faire venir député, et la trier. M'de dit, pour une bataille contre ça, faudrait-il que nous arrivions effectivement dans l'application de la loi. M'de dit, est-ce que loi, yo, effectivement, yo, appliqué? Isaac Fenn de préférence à décret électoral, là. M'de dit, dans article 131, décret électoral là, il dit toute personne physique ou morale ayant fait un don d'au moins de 500 000 goudes à un candidat, parti politique, groupement politique, doit dans un délai de 5 jours ouvrables en informer le conseil électoral provisoire à telle fin que de droit. Ça veut dire, décret dans article 131, il dit tout monde ou quel que soit monde ou quel que soit institution
qui t'a bail un candidat t'a fait un don qui au moins 500 000 gouttes, t'as dit pour pipiti 500 000 gouttes. Faut candidat ça non de l'équipe a passé 5 jours l'état doit informer conseil électoral là de don ça que le recevoir. Et article 132 décret a dit tout candidat, parti politique, groupement politique doit soumettre chaque premier du mois à partir de la date d'inscription du candidat, parti politique au groupement politique au conseil électoral provisoire la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs. Elle dit ou bay mais quand c'était quoi baou et mais qui est-ce qui baou chaque premier dans mois de pour l'offre inscrit dans processus électoral là. Et article 132-1 dit durant la campagne le temps d'antenne alloué au parti au groupement politique quel qu'il soit par les médias doit être facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne. Elle dit média ou cap passer spot pour ou de facture que ou payé ou doit bay li annexé dans rapport là. Et article 133 lui-même continue pour le dire tout don supérieur à 50 000 goudes doit être effectué par chèque ou virement bancaire ou bien que c'est si en nature yo baoul. À moins que c'est en nature yo baoul ou pas qu'a faire par chèque. En nature c'est des matériels, vous comprenez? Que yo baoul. Mais son on te pose des questions. Est-ce que déclaration ça est fait vrai? Est-ce que parti ça dans décret électoral la section B dans décret électoral là qui via question financement des campagnes électorales là est-ce que les respecter? Et sinon le plus haut dans décret article 130 décret là il fixe qui quantité l'argent pour monde doit recevoir comme don. Il pas seulement dit sous recevoir l'argent nan niveau tel qu'on faut déclarer non mais il dit tout, tout don quel qu'en soit la forme fait à un candidat à un parti politique ou groupement politique par une personne physique ou morale est du type d'impôt pour les donateurs suivant les procédures légales en vigueur. Elle dit montant ça que a baoua montant ça que mon a faux cadeau ka bodon hein li pas capable supérieur par exemple pour candidat pour parti politique ba parti politique on l'argent. Il n'est pas capable de dépasser 7 500 000 gouttes, non? Si il y a un candidat à la présidence, son COB, on peut financer la campagne. Il n'est pas capable de dépasser 5 millions de gouttes, non? Et à niveau, ça va vous arriver, oui? Si il y a un candidat, on peut financer la campagne, un candidat au Sénat, il n'est pas capable de dépasser 2 millions de gouttes, non? Pour député, 1 million de gouttes. Pour cartel municipal, c'est 500 000 goudes. Donc, ça veut dire, il y a limité quand c'est l'argent pour un nègre fort cadeau, pour recevoir. Et, mais, il y a limité. Et sous recevoir, il faut le déclarer. Et chaque premier dans le mois pour dire, mais quand c'est quoi pour joindre. Donc, vous avez posé la question, est-ce que section B dans décret électoral là qui gagne rapport à question financement privé de la campagne électorale est-ce que li respecté par exemple gagne des candidats là honnêtement pour volume déploiement que vous fait là même si tu as gagné 50 moun ou même 100 moun qui t'a fait au cadeau 500 000 goudes, candidat à la présidence, 5 millions goudes, il a dépassé l'agence déjà. 5 millions goudes multiplié par 50, ça va me combien? Et, on dit faut un calcul, on bat faut un mathématique. Et, de 10 moun. 10 moun non pour exemple, oui. À 10 moun. Bon, Andy. Bon, oui.
Et OK. 500 000 gouttes d'âme, mais je vais pas 10. 5 millions. Et 5 millions gouttes. 10 moun. Et OK. Oui. Ah, j'en ai 10 moun. Donc, ou imaginez, on dit, faut que candidat ça, mais il y a des candidats qui ont déployé là, qui dépassaient à faire 50 millions de gouttes là déjà. Non, mais ça me plaît, faut comprendre. C'est que, décret à mettre un barème, il dit, mais quand c'était quoi, au monde kabaou, comme candidat. Ok? Elle dit, même si moun ça, candidat ça, t'arrives à jouer 50 moun, dans le secteur privé, qui t'a voulu balle pour pipiti, barème qui exige. Non, mais moi, mal dans 50 moun. Mal dans 50 moun. Ça veut dire, l'IPAP, quand c'est volume là, j'aime moi qui n'ai pas dépensé là. Même là, il y a 50 moun, oui. L'IPAP, quand il y a dépensé là, de plus passé ça, oui. Par contre, si nous comprenons, et samedi. Donc, Genèrac dépensait déjà plus de 250 millions de là. Donc, ça veut dire, les mots me posent question, est-ce que ça les respecte? Je ne vais pas dire que c'est personne, je ne vais pas dire que c'est un tel qui a blanchi l'argent, ou bien tel, non. Je ne vais pas nommer non monde. Je vais mettre un décret électoral là. Moi dit, par exemple Jude qui fait gros déploiement ça yo, Jovenel qui fait gros déploiement ça yo et qui continue à faire et Maurice Mouvè Kounia qui commence gen ti photo mais et Mara dit li gen 5 millions de dollars, Mathias Pierre dit gen 5 millions de dollars, ouais problème sous ça. Eh ben jodi a posé question, est-ce que vous déclarez l'argent ça yo? Donc si nous dit n'a bataille contre blanchiment l'argent. Et là pour nous commencer oui. C'est là pour nous connaître, est-ce que le monde qui peut aller lui, est-ce que vraiment la bien assez de rien, assez de force pour le goût, mais contre question blanchiment? Parce que le monde qui a blanchi l'argent, il y a un financement qui a là, oui. C'est là où nous avons posé problème hier. Malheureusement, il y a un monde qui mal interprété. Nous ne jamais associer Jude avec question blanchiment, mais non. Nous dit, est-ce que le décret a respecté? Est-ce que répond avec norme ça? Me questionner. Parce que bon, dis nous bagay. Si décret a dit, on candidat à la présidence, on moun kap fè London, il pas capable de faire plus passer 500 000 goud. Ah, pas 500 000 goud, non mon Dieu. 5 millions goud, pardon. 5 millions goud. Il va faire le cadeau plus que 5 millions goud. Hey. Et même si on a 50 moun ou 20 moun ou 30 moun et littéralement oui si en Haïti pour j'en nèg a beau et pour 50 moun ici qui ka ba un candidat 5 millions goud. T'as bien ça me dit oui, m'a parlé de l'argent propre. Espère nous bien ça me dit. Moi, je dis, c'est très rare, en Haïti, dans la situation économique que nous avons là, pour nous jouer 50 moun, qui en mesure, qui possède l'argent propre, nous disons, l'argent propre, qui en mesure, bah, un candidat 5 millions goud. Mon cher Babo Mati, sous jouen 10 ou pas jouen 15. Est-ce que de bien ça me dit? Même, m'a vle pour moun mal interpréter. Moi dit, m'a prépété et si le m'a prépété plusieurs fois. Li là, ouais, m'a dit l'impossible non? Li difficile est là en pile. Pour ta jouen Haïti, possède 50 moun qui gagne l'argent propre. M'a dit oui. Propre
qui en mesure ba yon green candidat 5 millions goud. Ba konnen non mais même m'craint que mais malé sou ça décret a dit. Il dit mon on moun pa ka ba nèg la plus que 5 millions goud. Et moi même ka côté sou douette moi là en dans pays a. Sou douette moi. Combien moun la ki gen l'argent propre ki ka ba un candidat 5 millions goud? M'konnen ça dit la gran pile moun ne pa fè plaisir oui. Ah m'konnen gran pile moun ne pa fè plaisir. Mais moi même ka côté sou douette moi. Combien moun en Haïti qui gen l'argent propre qui cadre en moun 5 millions goud? Même nèg la tradi gen l'argent propre la fond da questionnel pour ta expliquer clairement provenance 5 millions goud ça est-ce que c'est bénéfice business li balé pour gen pour ba au candidat? Ah oui? Parce que même m'gen pile exemple par si m'voye jim la m'gade brette là et m'gade Accra. Et les qui choisissent la dit gagne moi un meilleur mais la justice yo là et dans fistiwon yo là pour drogue pour kidnapping très bien samedi ah oui tout monde pas mal interprété m'a pour reprendre ni encore m'a pour reprendre ni moi dit il t'a en pile et pas bien non moi dit nos 50 là m'évalue à l'évalue à 250 millions de goud 50 monde qui travaille 5 millions de goud environ même dit que candidat là jodi a qui investit plus passé 250 millions goud ça déjà dans campagne là. Tenez bien ça me dit oui. Des candidats là qui dépensaient déjà plus de 250 millions goud là déjà dans campagne là. Alors ce que décret électoral a dit au monde qui a un candidat on l'argent, il est pas capable bal plus que 5 millions de goud. Et là bal il faut justifier, il faut me dire côté il te joindre ni pauvre dans l'argent. Faut qu'à expliquer. Et je dis à moi, dis-moi, qu'à côté sous droite, moi, combien de monde en Haïti qui possède de l'argent propre qui en mesure par un candidat 5 millions de goud? Et moi-même, c'est pas faute, moi. Moi pas venir là pour m'excuser pour me dire bah non. Moi venir dire la vérité pour te plus ces précisions. Sur ça me dit hier. Parce que me pas accuser personne. Parce que l'autre monde pas attendre ou qu'a faire compte avec un monde parce qu'on l'autre monde vient dire. OK? Et moi même me pas contre personne. N'aime pas avec personne. En même temps avec vous. Et m'ba avec vous. Et c'est ça samedi. Mal pour exemple, c'est pas avec vous. Je dis au président, m'avo. M'avo, l'on fait ça qui bon. M'contou, l'on fait ça qui pas bon. Par vous m'avez qui bon, m'abdou li bon. M'abdi le bon. M'a dit action posée à très bon, très correct. Mais depuis le pas bon, m'a dit le pas bon. Mais à la fois avec coup et contre. Donc, on dit, si il y a des pressions internationales sous nous par rapport à la question blanchiment d'argent, c'est parce que nous pas jamais un résultat dans la bataille là. Et moi, indexé au côté qui nous faille. La question blanchiment d'argent, c'est le premier côté pour nous commencer à agir sous lui. C'est la question élection, parce que élection est déterminant pour le mode de gouvernance qu'on va lier. Parce que c'est dans l'élection qu'on va choisir qui est qui va le gouverner. Et bataille contre blanchiment d'argent, contre corruption, contre financement terroriste, et dans le mode de gouvernance que le bras fait. C'est le qui va le gouverner, pays qui va le dire, mais ensemble de dispositions que je prends. Donc si moun sa lui-même il est déjà bien dans l'argent qui blanchit, qu'a blanchi, donc moi du mal comment on va faire bataille contre blanchiment d'argent financement terroriste. Donc c'est pour te dire que menace là la éternellement sous tête nous et les sanctions à privé la privée.
Est-ce que nous comprenons ça me dit moi m'pas indexer personne en même temps m'indexer tout le monde et me connais grand pile monde ça me dérange parce que mine me connais grand pile monde là qui dans campagne là qui des cas dépassé quand c'est l'argent ouais me saute dit là l'aime prend décret peut-être que mon pile monde pas met accent sur ça yo ça pas attirer attention yo c'est pas rien yo ouais des matins là n'y aller vu la garde ouais c'est de gros billboards qui a coûté des milliers de dollars en l'air comprendre de posters de photos conseils de petits gadgets n'y a gagné petits bracelets machines yo regardez décoré regardez et pas photos sur machine yo non machine li comment on les baisse encore n'est qu'il faut en baisser yo et alors toutes les machines et du coup c'est photo candidat c'est publicité à il y en a qui ont des gros camions qui avec gros open les cabas pile maillot hey il y en a qui ont hélicoptère qui a déplacé à droite à gauche hélicoptère pour les placer mettre là c'est bas et va vous laisser l'eau l'huile hélicoptère pas loin des goudes ha ou même on est sur Abdel Abdel Jean pile monde hélicoptère pas loin des goudes hélicoptère pas loin 50 cob hélicoptère c'est l'argent et là ou l'on peut être un mois hélicoptère dans mon val dit qu'on a son ami prêt au lit. Ah ouais? Impossible. Impossible. Si son ami prêt au lit. Impossible. Donc, même, on me dit nous que, selon les décrets électoraux là, et c'est l'âme d'une nouvelle métaxe, hein, selon les décrets électoraux là, on candidat à la présidence, on ne cap ballon don, il n'y a pas qu'à balayer plus que 5 millions de goudes. Et je dis à me dit tête moi, mon ka côté sous droite moi combien négocie qui gagne l'argent propre qui en mesure ba un candidat 5 millions goud. Je dis oui, l'argent propre. On répète encore, l'argent propre. Combien nèg là en Haïti, combien nèg ak femme Haïti qui c'est businessman nèg qui gagne l'argent qui en mesure ba un candidat 5 millions goud dans l'argent propre que le possédé. Li capable à justifier comme ça province l'argent ça dans quel que soit côté où il est là. Combien monde a fait ça? Voir pour arriver dans 50 pour qu'il t'abaine avec ça environ 250 millions goud et me dit nous jodi a des candidats qui déjà dépassé somme ça longtemps dans question campagne. Pas en moins et il n'est calé l'argent tout en République Dominicaine. Toute la République Dominicaine. Est-ce que vous avez une explication sur lui? Côté au joigni? Est-ce que Mounsa qui en République Dominicaine normalement qui finit ses campagnes? Est-ce que la mesure vient justifier pour venir cet argent ça? Bon, je suis désolé, mais vérité à me connaître la blessée en pile monde, mais faut que nous disons. Et je pense que si nous disons, nous avons un pays, nous voulons que pour nous combattre la corruption. Pour nous combattre contre blanchiment d'argent. Un, faut que nous renforcer l'institution, UCREF, ULCC, le Parlement. Faut que je vois le nan voter des lois. Et faut que des décrets d'application qui sortit. Mais néanmoins, au niveau des élections, c'est là, pour mener une bataille là. Parce que, pile nèg, sous prétexte que vous passez au fort, mais c'est l'argent. Kabay en pile visibilité. C'est l'argent, force l'argent qui agit. Et nous questionner qui l'argent là ça y est. Provenance l'argent ça y pour se soubral dirigeant pays mettre là. Faut ou ka prendre engagement pour le gouvernement contre toute base ça, blanchiment d'argent la trier. Mais si l'argent dans mon là. C'est l'argent sale que lié, l'argent financier avec l'argent sale que lié. On va pas ka gouvernement non. Nous avons intérêt pour nous parler parole ça ou pour nous dire vérité ça ou sinon bah quoi n'avons pas voilà sous Zelit FM moi sur émission pour la très matinale puis bon et puis gauche au pays à côté nous garder et question politique yo côté nous dit vérité yo et nous même nous parler suivant et décret électoral là c'est on ouais je dis hein. Un monde qui candidat qui aspirait pour venir sous chaise bourrée pour venir président ou doit montrer ou c'est un modèle mais ou doit tout voyer des signaux pour montrer l'arrivée dans magistrature suprême l'état gagne une série bagaille ou pour prendre distance
avec yo, mon pral appliquer la loi et faire respecter la loi. Ou doit tout pendant un candidat ou mettez en pile transparence dans ensemble activité ou fait. Soit de moun ki bon koto, soit l'argent qui a entré dans équipe ou pour financer campagne ou pour organiser activité électorale, soit de moun tout qui a baidé don bon koto ou mettez un minimum transparence. Parce que m'pense peuple a pas dû prendre un panzou et peuple a pas dû prendre un bluff. Tout candidat doit paraître tout koyo pour éviter ou bien empêcher gain interprétation qui fait. Je dis à nous dans campagne électorale, yon sa k'ap fè débat jodi a c'est provenance l'argent qui finançait campagne électorale. Prématinal. Gagné yon blackout total capital. Pour me pas dire toute, bon me dit majorité candidat qui dans course électorale là, personne monde pas connaît qui est-ce qui finance yo. Certainement gagné de monde qui dans bord yo qui connaît quelque dans monde qui finance yo. Mais c'est candidat uniquement qui connaît qui est-ce qui bal l'argent et qui l'argent yoyé. Est-ce que c'est des petits détaillants? Est-ce que c'est des commerçants qui collectent 25 copes de dégoudin pour permettre candidat li font une belle campagne? Est-ce que c'est des moun qui couen un projet qui organise de fonds de résine pour candidat soit dans institution, soit dans pays étranger ou bien dans l'autre zone de capitale? Qui méthode candidat à utiliser pour les capables de joindre financement pour campagne électorale? Et je dis à nous, nous gagnons blackout total capital. Mais seulement constat nous capable faire, gagne candidat qui paraît plus riche que l'autre candidat. Gagne candidat ouais qui a fait démonstration qui montre que yo gen kòd nan men yo. Certainement l'argent yo kap gen nan men yo capable c'est de fonds ou de nèg qui dans secteur privé qui gen business yo qui épouse candidat ça ou bien qui marche dans logique li ou bien qui ouais semble avec qui décide financier. Mais la gen de notre citoyen qui pas connaît provenance l'argent ou pas mal information sur provenance l'argent. Lié était dans blackout total capital. Et il y a un blackout total capital, il y a des moun qui a cherché imaginer, a cherché interpréter. Donc pour mettre fin avec question interprétation, logique là c'est pour candidat yo yo divorcé à pratique ça. Pour candidat tout ça y a géré, yo géré nan fait noir ou bien nan opacité. Pour que candidat pour le pas dire ah c'est campagne électorale mais dépense me concerne même ça c'est vie privée. Faut candidat pas gain attitude ça. C'est campagne électorale ou fait campagne pour venir diriger l'état. Ou fait campagne pour venir dans tête l'état. Donc faut tout le monde connaît qui l'argent que t'es d'ailleurs. Faut que tout le monde connaît qui est-ce qui baille de fonds, bien qui est-ce qui finance la campagne. Ou abdim, en clair. Si on est que je dis à l'argent l'agent kidnapping, non, mais l'el président, il est obligé baille en sorte d'immunité avec kidnapper, oui. Parce que laisse ça, justice là qui déjà agenouillé hein, son justice qui va pas être insignifiant parce que pas gon bataille ou bien pas gon politique qui a mené contre kidnapper. Faut qu'on connaît si tous ces des moun en République dominicaine qui a financé des candidats, faut que nous connaît pour que moun qui a vécu en Haïti qui gagne film de construction pour dire ah mais si c'est tel qui vient président
nous me dit la vie nous périt parce que c'est Dominique Kéo qui peut le bénéficier le même genre de bénéficier sous Michel Mantelli. Donc, c'est pas parce que nous avons problème avec un candidat X ou Y, mais c'est pas parce que nous avons besoin d'être candidat yo, ou bien déranger candidat yo, gagner un règlement qui fixe règle jouette là. Comme un règlement qui fixe règle jouette là, nous seulement demander moun ki aspire pour venir diriger l'État demain si Dieu veut. Moun ki aspire pour venir diriger l'État demain si Dieu veut. Moun vle yo faire preuve que yo respecte la loi pendant yo poko dirigeant. Moun vle voye signal ban mwen pour dire que pendant mon poko président, ou am son moun ki transparent. Toute activité me fait, me permet la population qu'on est. Pendant beaucoup président. Pendant beaucoup président, l'argent qui entre dans poche me dit tout le monde. Me dit tout le monde. Mais qui est-ce qui finance? Bon, imagine aujourd'hui. On est qui prend le président. Il n'est pas respecté décret loi électorale. Il n'est pas respecté décret loi électorale. L'infini président, est-ce qu'il n'est pas respecté la constitution? Ah, Neglab dit oui, ah, m'a respecté la constitution. Mais pour qui sont violés les décrets? Décret a dit, gain des financements ou joignent, gain des dons joignent, mais qui démarche pour faire. Bon, si nous avons un conseil là, comme conseil là qui là, ce conseil qui vient faire politique, mais ceux qui là n'ont pas vu faire élection pour retirer le pays dans sa lia. Comment vous voyez ça? Ce conseil politique. Si c'est un conseil, qui t'est venu régler affaire technique, qui t'a observé à la lettre, est-ce que décret loi électorale là, l'y applique ou bien respecté par ensemble candidat qui n'a cousu là? Mo garanti, y'a des nègres qui t'a gêné. Et y'a des nègres qui t'a obligé, coubé yo, pour yo transparent envers la population. Pour yo transparent envers la société. Parce que son devoir, respecter la loi, son devoir. Son obligation. Pas de demi-mesure dans respecter la loi. Et tout dirigeant qui respecte tête yo, démarche yo, c'est montrer yo, yo accroché avec loi dans le pays yo. Yo et accroché avec la constitution. Georges, et pas montrer ou accroché avec loi dans le pays yo, bien montrer ou accroché avec la constitution, j'en se dis là. Non, parce que y a deux mondes, ou après, même si y a fait brigandage là, même si y a fait des autres là, y a une petite constitution dans le pays, y aura les lèvres vlées. Oui. Nous voyons par exemple ce KEPA, conseil électoral qui là, conseil électoral Léopold Bélanger. Son conseil électoral politique. Ou après, chaque sortie a fait yo dou, nous rete attaché à décret électoral de mars 2015. Depuis y a fait sortie, yo dou selon décret électoral de mars 2015. Ça veut dire, dans ti sortie ou al faire là, parti ça ou al parler à li nan décret a et des autres k'ap fait yo brigandage k'ap fait yo ki kote le di nan décret a mais ça k'ap passe la jodi a nan campagne électorale là ndare mon conseiller électoral dim ki sa conseil la comprendre ki rapport conseil la joine sous financement candidat X ou Y zan an a coupé loin. Qui rapport jeune, qui candidat qui informe, mais qui est-ce qu'a ballon don? Et là, vous mettez ces 4000 gouttes là. Vous dites faire pas chèque, bien pas qu'on est. Majorité comme nègre recevoir, dans sa kit, c'est un haïtien ou recevoir lui. Le recevoir lui, il a changé dans l'américain. Pour yo, al bay fè billboard ou bien al fè, bay fè Mayo Santo Domingo. Mais, conseil là, qui regarde gen sous ça? Pas de regard. Nous entrons dans le processus et le processus là a privé avec thème ni parti politique, ni candidat, ni conseil, ils ont tout violé décret loi électorale. Et me dire, mais yon dit qui est-ce qui va violer? Yon dit qui est-ce qui va violer? Moun qui a fait jouer la peau. Pour nous venir un président, il viole le décret. Moun qui veut venir président, il viole le décret. Parce que jusqu'à présent, nous avons remis un candidat ou bien un partisan un candidat. Nous disons, bon, qui est-ce qui finance la campagne électorale Intel?
ah, et tel gen kòb nan men, gen des amis qui aide l. Mais il pa jam ka di ki moun. Est-ce que son noir? Est-ce que son blanc? Est-ce que son businessman? Est-ce que son commerçant? Est-ce que c'est kidnappé? Est-ce que c'est marchand de drogue? Personne moun pa konnen. Mais seulement yon candidat yo a fait campagne et il a continué marcher à travers le pays. Ça cap voler dans l'hélicoptère, voler dans l'hélicoptère. Ça cap marcher by 1000 gouttes, marcher by 1000 gouttes. Ça cap dire gen quantité kob yo ki pare pour y aller faire campagne. Yo dil, mais yo pa ka di population côté ou jeune comme ça. Il est tellement vrai, Georges, il est tellement vrai. On regarde nan question ça tout, nan question sou l'argent cap utiliser pour financer campagne électorale yon candidat. Là tout gen en pile monde qui ka penser problème dans tout désordre là tout ce type bon conseil électoral là moi l'expliquer le on candidat li nan élection li font campagne li élu li installé li a travaillé jodi là nous pas besoin qui bon comité sorti nous pas besoin qui dénonciation t'a fait sous dol nous pas besoin si c'est cob drogue nous pas besoin qu'on si cob kidnapping nous pas besoin qu'on provenance cob là qui côté le sorti nous pas besoin qu'on elle même on dans la jodi là on l'autre candidat qui dans course la jodi à tout candidat ça l'a fait campagne pour river soit pour aller au sénat pour venir président pour aller nan pour venir comme magistrat n'importe poste d'Italie n'importe poste d'Italie député la trier n'importe poste d'Italie candidat ça n'a fait campagne pour lui candidat ça dans élection actuellement là et jodi là qui ça le va dire tête le va dire oh gratis Jean-Georges arrive en bas bon Georges arrive en bas malgré dénonciation qu'a fait sous Georges malgré ça dit et Georges est allé quand même nous connaît Georges son gros dealer ou bien nous connaît qui dans qui Jean-Georges était fait arriver côté là nous connaît Georges brigandalité fait nous par contre combien cob Georges était dépensé mais moi-même connaît nous connaît ça moi-même dans élection dans campagne tout c'est même bagarre là pas fait et même monde ça t'a financé campagne Georges Fortuné même monde ça qui t'a dépensé gros somme l'argent dans cadre campagne là lui même tout le va venir financer campagne là pour qui ça va financer campagne d'Enel parce que décret électoral a dit mais qui limite pour atteindre décret électoral a dit mais qui ça pour faire mais même décret électoral ça pas sanctionner Georges Jida dans le parlement non même décret électoral ça pas sanctionner un tel magistrat Jodia non même décret électoral ça il pas contrôler un tel qui t'est fait qui t'est dépassé valait l'argent pour te faire campagne là non pas contrôler. Ça veut dire même moun sa yo même jodi la yo wè gon ti seton gon blondine gon luni yo wè moun sa yo même yo ka utiliser aujourd'hui à tout j'ai été voir Georges Ivan Bacté Blanche on parti pour yo a y a utiliser groupe moun sa dans élection pour venir blanchir mais qui sanction décret a dit mais combien mais qui limite pour atteindre décret a dit mais qui ça pour faire et en 2012 dans campagne là ça François Hollande lui même dans le deuxième tour li rive non limite n'a parlé là de président français actuel président français li rive non limite li te doit rive nan 22.5 millions euros et li rive là dan yo campé normalement li campé là nous nan l'année 2012 et là li te doit li pas doit passer 22.5 millions euros et là li rive là dan yo campé nan type n'importe type de dépense ta faire et jodi a la ki balise ki mette et tel mette bel billboard li dehors et tel a distribué maillot et tel a mette pile affiche en pile bay tout neuf la population wè yo en pile affiche tout neuf ou sur tout neuf ki nan la ria ces derniers jours et c'est remplacer après remplacer c'est ça que t'es là que ça que t'es mouillé que t'es prend soleil ou pas bien wè figi candidat jodi a y bagay neuf ki dehors. Mais combien cob ça coûte? Est-ce que le conseil électoral là, est-ce qu'il pas fin rédiger décret électoral de mars 2015 là pour nous dire camper là? Comme nous avons besoin bagaille pour nous rédiger là, nous besoin aller dans parallèle, nous gain bout de papier, et ta constitution. Nous aller là nous voulons. Et même genre décret électoral là est là, oui. Vous mettez balise là, vous dites mais ça pour faire, mais les candidats jeunes tel quoi, mais qui ça pour faire, mais pour l'informer, ou bien tout est dit comme ça, comme le gouvernement a financé la campagne électorale là, nous en 2015, le candidat a écrit pour dire que l'argent a été dépensé, pour dire que ça a été fait à l'argent, comme ça a été jeune là, qui a été dépensé. Ça que dit. 2016, nous pas financer campagne électorale candidat encore. Tout candidat démêlé nous pour nous financer campagne nous, pour nous faire campagne normale. Mais candidat ça, vous ne pouvez pas financer campagne là. Combien de candidats ça, qui écrit un rapport qui voit le conseil là, qui dit 1, 2, 3, mais combien comme nous utiliser, mais qui ça nous défait à l'agence ça? Combien de candidats? Avait dit, nous montrer nous, on a parlé seulement, on a parlé mettre là, mais pas aucune action qui suivent ça nous dit vraiment. Comme bagaille la chose, nous parler de lui, mais action, pas aucune action qui posait pour nous dire, nous, l'uni dépasse 15 millions de gouttes de demandé, ou bien 10 gouttes de demandé, l'uni qui est en 11 gouttes là, lui mette sous 10 gouttes nous demandé, il faut le venir dire qu'il va le sortir.
n'importe moun nan fol ka vin di ki bo goud la sorti parce que e a 10 goud li te dwe rive nan campagne li. Ki exemple ki tracé? Moun nan installé n'installé, moun nan siège jodi a la siège et c'est exemple ça nous voye bay. Bon pa trace un exemple sou un tel ki gen siège a, nous pa trace un exemple jodi a la candidat sa li même nan course la. Si on moun ap vin financer li pa le repousser, n'a besoin ki décret électoral ça. Ou pa un tel siège en bas, n'a fon jan n'a couvrir ça, n'a ba on parole, n'a couvrir ça. Et conseil la pa ka pa prendre ça jodi a. Et candidat ça ou pral dit tout mais ça déclaré dit m'pral mettre le dehors li pral pi gros victime et pas oublier population et martyr li pral pi gros victime toujours et depuis au départ pour nous dire mais qui jeune pral appliquer ça dit dans décret électoral là c'est depuis au départ nous même n'a violé nous bail date nous pas respecté n'a bail rallonge nous connaît date nous bail le pape suffit mais qui ça décret électoral là te dit si nous connaît 5 jours nous t'a bail nous te mettre nous te li inscrit dans décret électoral là 5 jours t'a valable nous ouais 5 jours nous même entre nous ridoir 5 jours pas valable si bien si nous chitan calculer nous dire si nous fait 1 2 3 on met 6 jours plutôt bien 10 jours t'a plus bon on met 5 jours plutôt peut-être n'a bail rallonge mais le pas dit dans décret tout ça nous même nous violer le tout nous même nous violer le tout faut commencer tout pour candidat eux même pour apprendre tout respecter ça dit dans décret si nous même comme conseiller nous pas respecter ça dit là dedans candidat pas respecter le tout n'importe l'argent n'importe Jean lié n'importe qui candidat n'importe qui mon a candidat n'importe qui l'argent financer campagne et le rivé n'a saisi ouais même mon secteur va dire va remettre institution sous pied pas capable parce que yo grain ka ofev. Yo bon moun ki te finance campagne yo doit continuer aider moun nan parce que là moun nan ta blanchi l'argent gen l'argent sale nan men là la continue toujours voilà et nous pral pran ou te vle ajouter ton bagage Georges hein pran ti pou zan zeton et ou konnen si candidat yo gen respect pour pays ya ou bien pour peuple ou bien pour société ya et nan fin campagne yo ou bien nan mitan campagne là yo ta doué et bay de bilan dépenses yo fait et pas ne gavinal din dépenser et $2,000 non mais au moins préparer un bilan détaillé pour ou di population mais combien qu'on vous dépenser mais qui j'ont dépensé n'en fait qu'en parlant encore qui tout gagne ou qui tout perdu ou di population mais combien l'argent ont dépensé et États-Unis l'autre pays yo campagne électorale là moun yo toujours besoin qu'on ait qui quantité l'argent ou dépenser et institution qui place et côté l'argent ça veut tout institution qui place pour ça li toujours à veiller garder pour est-ce que pas gagner candidat qui excédé limite yo tracé dans les jouets là mais ici conseil électoral qui là bon bien qu'il y a pile dans nèg politique yo vinn régler et a fait chapel groupe yo vinn gérer et pas vinn faire technique mais si yo te vinn faire technique au lieu nèg yo a fait si magri di a mettre Gérald Jean dehors pour moralité mais nèg yo t'a commencé poser des actions pour peuple là ouais ou bien pour société à ouais ah conseil ça il fait bagarre élection oui et il fait bagarre l'autre conseil va faire non mais il les candidats X ou Y pour gagner rapport sur dépenses li il y a dit ah et bien ça mais est-ce que on conseil qui là il cap par exemple les et un candidat le cap monter hélicoptère toute la semaine journée vous dit ah et quantité corps vous dépenser ou dépenser ou qui excédé donc ou pas qu'à utiliser corps dans campagne encore. Mais pour conseil la fait le fort qui dit un rapport. Il a un rapport. Il n'a pas un rapport. Et toute la semaine journée jour l'a appliqué décret. Donc décret on partie la donne, li applique bon l'autre partie ça yo li méprisé yo hein. C'est en Haïti nous mon cher. C'est en Haïti nous mon cher. Va aider pas avoir une balle aussi nèg wal bon. Non, c'est en Haïti mon cher. À soir fait va le casser pour ceci ça mon cher. Non, voilà ça mon cher. Mais nèg ka met dire agent yo. Nèg yo ka prend des lot décision illégale arbitraire. Mais yo pas prend décision qui capable fait moun gagner confiance en le processus électoral.